La dame, vous ne pouvez pas rester. Devant l'entreprise non, 1. Fille, vous risquez de perdre votre argent en le laissant comme ça. Prendre. Ce n'est pas grand-chose mais peut vous aider à acheter les médicaments. Bonjour à tous. Vous êtes tous les trois dans la vacance du poste de directeur. Chef d'entreprise. C'est bien ça? Je m'appelle Alberto Abreu. Et toi? Indépendamment de... Vanusa Nové. D'accord. N'êtes-vous pas le... Non? Non. Êtes-vous... Alberto. Alberto. Vous étiez le meilleur manager de votre dernière entreprise, n'est-ce pas? C'est juste. Vanusa Nové. Votre CV est très qualifié. Il était un leader dans la dernière entreprise, n'est-ce pas? C'est toi. Joseph, c'est tout? Droite. Vous étiez responsable du nettoyage, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été le meilleur employé 3 fois de suite. Oui. Je suis allé. Ils sont tous très qualifiés pour le poste. Je reviendrai dans un petit moment pour appeler la sélection maintenant, d'accord? Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que tu fais ici, mec? Il s'est identifié. Oh, il y a un peu de saleté là-bas, allez nettoyer. Profitez. Donnez déjà un peu de mensonge là-dessus. Pouvez-vous m'accompagner, s'il vous plaît? Vous aurez peut-être envie de goûter le café, d'accord. Ils vont déjà s'appeler. Quelle entreprise de luxe c'est, hein? Il y a même une pause café. Wow, comme c'est dégoûtant. Comment peuvent-ils laisser entrer des gens comme ça? La dame reste loin, reste loin. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas supporter son odeur. Donnez-moi de la nourriture. Oh, vous voulez de la nourriture? Prendre. Prendre. Je pense que tu ferais mieux de le manger ici. Par ici. Ils peuvent vous maltraiter. Merci beaucoup. Regardez-la maintenant. La nouvelle mère Teresa de Calcutta. Il est intime. De tout le monde ici. Bonjour à tous. La sélection commencera. Pour la sélection, je poserai une question, et si le candidat fait une erreur, il sera automatiquement disqualifié. D'accord? Vous considérez-vous comme bon? Puis, je suis bon dans tout ce que je fais. J'ai une qualification exceptionnelle. J'ai grandi dans les meilleures universités. Je n'ai aucun problème avec la loi. Et je suis une bonne personne. Et toi, Alberto? Je suis très bon. Mes parents m'ont appris toutes les valeurs. Chrétien. D'accord, je ne bois pas, je ne fume pas, je vais à la messe tous les dimanches. Joseph, et toi? Je vous avoue que j'ai eu une vie très troublée. J'ai grandi sans père. Ma mère a tout fait pour prendre soin du bon et du meilleur pour moi. Et j'ai fini par sortir de la file plusieurs fois, mais je me suis racheté et aujourd'hui j'ai du mal à payer mon collège.
Vanusa, Alberto. Vous êtes disqualifié. Mais pourquoi ? Quel est le critère ? Sébastien, pouvez-vous m'expliquer ? D'accord ? Comment puis-je dire ? Que vous n'avez pas tous les deux le profil pour travailler dans cette entreprise. Wow ! Que s'est-il passé ? Dès le premier test, vous démontrez ne pas avoir qualification pour cette entreprise dans la première course. Vous, ils n'ont pas pensé à prendre l'argent du mendiant dans la rue. Dans la deuxième course, vous ne le faites pas. Montrez empathie avec notre employé. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oups, bonjour. D'accord. Ma main est sale. Oh, sale main de travail. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Et toi? Oh, je suis venu ici pour faire l'interview maintenant, j'espère que ça marchera. Oh, oui, monsieur. Bon travail, vous voyez? Merci. Et alors? Un seul a réussi. Quel dommage. Mais allons-y. Voyons jusqu'où cela va. Allons-y. Le troisième test était quand? Humblement. Le mendiant entra. Elle a demandé de la nourriture pour toi et tu l'as humilié. La dame y séjourne. N'approchez pas. Dans la quatrième course, notre collaborateur vous a demandé si vous étiez de bonne personne, et puis tu viens de me montrer ce que vous êtes vraiment à l'extérieur. Incidemment, ils n'ont parlé que de toi en bien. Ce que vous êtes vraiment. Vous n'avez pas compté. Ce qui m'a surpris, c'est le Seigneur Joseph. Celui-ci est venu d'une simplicité. C'est ce type de personne dont l'entreprise a besoin. Qui se soucie des autres. Être riche ou pauvre. Bien habillé. Mal habillé. C'est le genre de personne que je veux dans mon entreprise. Déjà vous deux. Vous pouvez transmettre l'argent que vous avez pris aux mendiants. Même pas que vous porterez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je veux deux. Vous êtes tous les deux congédiés. Le poste vacant est celui du Seigneur Joseph. Félicitations, Monsieur Joseph. Nous avons besoin de cet emploi. N'aurait-il pas une chance? J'imagine que vous devriez d'abord réfléchir. Tout ce que vous avez fait. Pour arriver ici et nous pouvons vraiment voir qui vous êtes. Une minute. Je pense, tels qu'ils sont. 2. Les employés qui peuvent être ainsi qualifiés. Combien je pense qu'ils devraient rester. Nous. Peut donner une opportunité pour eux. Et ils vont s'améliorer. Cette question, qui ne les approuvait pas? Écoutez, ne soyez pas surpris par cette attitude, Monsieur Joseph. Quant à moi, vous avez déjà été licencié. Mais si le Seigneur Joseph dit qu'il y a encore un point de lumière au bout du tunnel, remerciez-le pour cette opportunité. Merci, votre Joseph. Merci. Servir de leçon. Rejeté. Félicitations, Monsieur Joseph. Merci. Thank you.